Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom du porte-parole du Khalife général, Cheikh Mane Ould Wald, les mots qu'il vient d'adresser, que nous allons vous faire parvenir en français. Il a voulu au nom du Khalife général de la Qadriya en Afrique de l'Ouest, Cheikh Saad Mouhoud, Cheikh Mohamed Taghiullah, ou le Cheikh Khalifa ou le Cheikh Saad Mouhoud, il a voulu remercier le président de la République, Mohamed Cheikh Kadouani, pour l'intérêt particulier qu'il accorde à Nimjat et à la famille chérifienne, mais aussi au-delà, à toutes les familles soufis et à l'appel à Dieu que celle-ci véhicule à travers le monde. Le calife remercie le président de la République et à travers lui remercie le gouvernement et le peuple mauritanien. Il remercie les bonnes volontés et remercie tous ceux qui ont soutenu la mission religieuse qui a été engagée par Cheikh Savou et dont il assure la continuité aujourd'hui grâce à Dieu. Donc en ce mois béni d'Ashura, ce vendredi soir du 11 août 2022, nous sommes réunis ici dans cette maison de Baraka, chez le Khalife général à Tebrak Zena en Ouachot, Cheikh Saad Mouhoud, Cheikh Mohamed Taghiullah, pour rendre grâce à Dieu et pour prendre de la baraka. Donc le Cheikh remercie tous ceux qui apportent leur soutien à cet appel et à cette œuvre grandiose au service de l'islam et de l'humanité. Je remercie donc le peuple mauritanien, mais aussi les peuples frères de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Nord, particulièrement le Sénégal et le président Macky Sall. Et donc appelle tous à œuvrer pour tout ce qui fait briller plus encore la mission prophétique de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et prie pour que la paix règne dans les cœurs et dans tous les pays musulmans. Salam alaikum.